Existe-t-il un marché pour les smartphones orientés gaming? Eh bien, Black Shark, lui, en semble persuadé puisqu'il a encore officialisé en octobre dernier un nouvel appareil, le fameux Black Shark 2 Pro que j'ai juste ici. Et justement, le moment est venu de nous pencher sérieusement sur son compte. Cette vidéo, elle va être un petit peu différente de ce que je vous propose d'habitude. Vous avez effectivement été très nombreux à me faire remarquer qu'une vidéo de 30 minutes sur un smartphone, c'était un peu compliqué, c'était un peu trop long. Et du coup, eh bien là, j'ai opté pour un format plus court, pour une espèce de synthèse de ce que je fais d'habitude. Ça veut aussi dire que cette vidéo va placer le focus sur certains points au détriment d'autres. Mais cela ne veut pas dire que je n'ai pas testé le Black Shark 2 Pro sur tous les terrains. En réalité, ça fait maintenant 3 semaines que je l'utilise quasiment quotidiennement et du coup, j'ai pas mal de recul sur ses forces et ses faiblesses. Maintenant, je vais aussi moins détailler certains points et là, en l'occurrence, par exemple, on va davantage se focaliser sur les performances du téléphone que sur son module photo puisque le Black Shark 2 Pro, à la base, est un smartphone orienté gaming qui vise donc un maximum de performances. Ce n'est pas un photophone et en conséquence, j'estime que ce n'est pas le point le plus important à évoquer dans ce test. Et bien sûr, il n'y a rien de définitif, ce n'est qu'un essai, ce n'est qu'une expérimentation et je vais bien entendu prendre en considération vos retours. Du coup, si vous voulez partager vos remarques, vos critiques, et bien c'est simple, vous laissez un petit commentaire à la suite de la vidéo. Mais je vais pas vous embêter plus, je crois que le moment est venu de passer aux choses sérieuses et donc de nous pencher sur le Black Shark 2 Pro. Alors vous le savez, habituellement, les smartphones gaming sont assez connotés sur le plan esthétique et autant vous prévenir de suite, le Black Shark 2 Pro ne déroge absolument pas à la règle. Black Shark a en effet opté pour un boîtier métallique avec un dos très très travaillé. On a deux plaques en verre qui ont été apposées à l'arrière, autour du logo et de la bande métallique dans laquelle il se trouve. Ce logo d'ailleurs a pour principale particularité d'abriter une LED qui s'animera dès que le téléphone sera en fonction. Et ce n'est pas la seule LED d'ailleurs, Black Shark s'est montré très généreux en la matière et on a ainsi deux autres LED en haut et en bas du logo, mais aussi deux autres sur les tranches du téléphone. Attention en revanche car ces LED latérales ne seront pas uniquement là pour décorer et elles s'illumineront donc à la réception d'une nouvelle alerte ou en fonction de l'état de la batterie. Et ça, c'est vraiment pas idiot du tout parce qu'en réalité, il suffira de jeter un coup d'œil sur le téléphone lorsqu'il se trouve sur la table basse du salon ou sur le bureau pour connaître précisément son état et l'état de sa batterie. Et puis ce qui est très sympa, c'est que Black Shark laisse le choix de l'effet. Il suffira de se rendre dans les paramètres système pour modifier le style de la lumière et choisir ses couleurs. L'écran de son côté n'est ni incurvé ni borderless. Black Shark a opté pour une dalle plate, entourée de bordures assez présentes, ce qui ne pose finalement aucun problème. L'avantage de la chose, c'est qu'on n'aura aucune encoche, ni aucun trou pour nous gâcher la vue lorsqu'on sera en train de pourchasser nos adversaires. Mais ce n'est bien entendu pas le seul atout de cet écran. Black Shark a apporté le plus grand soin au niveau de la dalle. Et on retrouve donc un écran AMOLED de 6,39 pouces avec une luminosité qui atteint les 430 nits et une résolution en 2340 par 1080. On est donc sur du Full HD+. La dalle supporte aussi le DCI P3 avec une couverture de 108% et elle s'accompagne d'une technologie baptisée DCI Dimming qui a pour but de préserver nos petits yeux. Alors c'est impressionnant, hein, c'est vrai, mais ce n'est pas fini car Black Shark a aussi mis le paquet
sur la couche tactile, une couche qui est sensible à la pression, un peu à la manière de ce que proposait Apple du temps de 3D Touch. Et cette particularité n'est pas anodine, puisque le Black Shark 2 Pro s'accompagne d'un outil, d'une fonction baptisée Master Touch, une fonction qui va vous permettre de mapper une action et de l'associer à une pression prolongée sur le côté gauche ou droit de l'écran. Alors le mieux, je pense que c'est de partir d'un exemple. Supposons que vous souhaitiez jouer à Call of Duty Mobile, qui est un peu le jeu à la mode en ce moment. Et bien plutôt que de devoir à chaque fois appuyer sur le bouton du tir pour pouvoir ouvrir le feu, vous n'aurez qu'à utiliser cette fameuse fonction pour mapper tout le côté droit de l'écran. Et lorsque ce sera fait, et bien vous n'aurez plus qu'à appuyer de façon prolongée sur une partie vide de cet écran, de cette partie de l'écran, pour ouvrir le feu sur vos ennemis, ce qui vous fera évidemment gagner beaucoup de temps. Alors c'est vrai, cette fonction elle est plutôt cool, maintenant tout n'est pas non plus parfait, et de mon point de vue, le gros défaut du Black Shark 2 Pro, eh bien c'est le taux de rafraîchissement de la dalle, puisqu'il n'excède pas les 60 Hz, ce qui est finalement un peu décevant pour un smartphone qui est orienté gaming. Côté puissance en revanche, le Black Shark 2 Pro ne fait aucun compromis, il est animé par un Snapdragon 855+, couplé à 8 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage en UFS 3. Non content de proposer une puissance de calcul des plus confortables, le téléphone aura donc droit à des accès plus rapides en lecture et en écriture. Et en toute franchise, le résultat parle de lui-même, le téléphone n'a pas montré le moindre signe de faiblesse durant ses semaines de test. Et aucun problème de chauffe non plus à l'horizon, ce qui n'a d'ailleurs rien de surprenant puisque l'appareil est équipé d'un nouveau système de refroidissement liquide. Alors par contre, pour l'autonomie, c'est pas vraiment ça. On a une batterie de 4000 mAh et c'est vrai que la capacité à la base, elle est plutôt confortable. Sauf que derrière, on parle d'un smartphone qui est orienté gaming, sur lequel on va donc énormément jouer. Et justement, le problème il est là, car les jeux en 3D consomment énormément d'énergie. Et là, ça veut dire en l'occurrence qu'on ne pourra pas tenir plus de quelques heures en jouant de façon intensive avec le téléphone. Ce qui est assez décevant, surtout que derrière, on est quand même sur un boîtier qui est assez épais. Et de mon point de vue, je pense que Black Shark aurait pu caser une batterie de plus grande capacité dedans. Alors de base, sur la partie technique, le Black Shark 2 Pro a de solides arguments à faire valoir. Mais Black Shark ne s'est pas arrêté là, et d'ailleurs on a aussi quelques fonctions, quelques particularités qui sont très très intéressantes et sur lesquelles il convient d'insister. Et la première d'entre elles, je pense qu'elle a trait au logiciel embarqué à son bord. De base, le Black Shark 2 Pro est livré avec une version d'Android très proche d'une ROM stock. Le constructeur a choisi de ne pas dénaturer la plateforme de Google et c'est une bonne chose. Maintenant, derrière, Black Shark a aussi intégré une ou deux petites fonctions en plus. Et je crois que la plus significative, c'est bien évidemment le mode Shark. Pour activer ce mode, il n'y aura pas besoin d'aller fouiner dans les réglages du téléphone. Tout ce que vous aurez à faire, ce sera de pousser l'interrupteur placé sur la tranche droite vers le haut. En le faisant, le Black Shark 2 Pro changera de mode et vous renverra vers le Shark Space, un écran rappelant inévitablement celui de nos consoles. Les titres installés sur le téléphone apparaîtront effectivement dans un espèce de bandeau et vous n'aurez alors plus qu'à taper sur la vignette de votre choix pour lancer le titre associé. Mais ce n'est pas tout, car une fois la partie lancée, il suffira d'effectuer un balayage rapide du haut vers le bas pour faire apparaître une barre d'outils. Une barre qui vous permettra d'activer ou de désactiver les notifications, le Wi-Fi ou même le Master Touch, mais aussi d'accéder aux infos quant aux performances du téléphone. Et là, en l'occurrence, on pourra accéder à un écran complet qui va automatiquement nous informer de l'état du processeur, mais également de la quantité de mémoire vive utilisée. Et on pourra même voir l'autonomie restante. Mais le Black Shark 2 Pro n'est pas un simple smartphone. Une fois glissé dans la housse fournie, il pourra également se transformer en console de jeu. Il suffira ainsi de glisser les deux contrôleurs proposés par la marque dans les glissières situées de chaque côté pour transformer l'appareil en console. Le système est bien pensé et il rappelle dans une certaine mesure ce que propose Nintendo avec la Switch. Surtout que les contrôleurs en question ne font pas dans la demi-mesure, ils vont même assez loin. En plus du traditionnel stick, on aura une croix directionnelle, un pavé tactile, des gâchettes et même des boutons d'action.
Mais voilà, dans les faits, pour pouvoir utiliser ces contrôleurs, vous allez devoir commencer par mapper leurs contrôles, par mapper leurs boutons et donc par les associer à des actions qui vont différer d'un titre à un autre. Et tout le problème est là, parce que les titres qui sont actuellement proposés sur le Play Store, eh bien, ils disposent parfois de contrôles variés, mais surtout de contrôles changeants. Sur PUBG Mobile, par exemple, eh bien, on n'a pas les mêmes contrôles suivant que l'on se trouve à pied, en train de marcher ou à bord d'un véhicule. Ce qui veut dire que ce que vous aurez mappé pour les phases où vous vous trouvez à pied ne sera pas forcément valable pour les phases où vous êtes à bord de véhicule. Très clairement donc, ce travail de mappage ne sera pas des plus simples et c'est d'autant plus dommage que les contrôleurs, eux, sont extrêmement confortables à utiliser. Black Shark semble avoir étudié la disposition de chaque bouton, de chaque gâchette, avec le plus grand soin et les commandes nous tombent ainsi sous les doigts. Mais il y a malheureusement un autre bémol. Les contrôleurs doivent être rechargés indépendamment du téléphone par le biais de leur connecteur USB type C. Avec le téléphone, cela fera donc 3 dispositifs à charger pour pouvoir profiter de la solution proposée par Black Shark, tout en sachant qu'il ne sera pas possible de charger le téléphone lorsque les 2 contrôleurs seront mis en place. Alors maintenant, le coût de la charge, ce n'est pas complètement de la faute de Black Shark. Pour résoudre ce problème, il aurait fallu développer une coque capable de se connecter au connecteur du téléphone et disposant en plus de connecteurs supplémentaires pour alimenter les 2 manettes. Mais là, bien sûr, on se doute qu'un tel accessoire aurait coûté beaucoup plus cher au constructeur. Du coup, pour moi, le vrai problème, c'est cette histoire de mappage. Voilà, j'avoue que c'est assez frustrant de devoir associer chaque bouton à chaque action. Ça prend du temps, il faut le refaire ensuite pour chaque titre. Voilà, pour moi, c'est pas une solution qui est idéale, mais là encore, ce n'est pas vraiment un problème qui incombe à Black Shark. Pour moi, c'est vraiment une limitation technique qui est liée au titre, bien sûr, mais également à la plateforme. Et j'espère vraiment que Google va faire en sorte de simplifier la manière dont Android communique avec les contrôleurs externes, parce que là, vraiment, il y a un gros boulot à faire pour que tout soit le plus simple et le plus transparent possible. Le Black Shark 2 Pro est un excellent téléphone, cela ne fait aucun doute. On a un très bel écran, on a un processeur Velos puissant, une autonomie qui est correcte, et derrière on a en plus une plateforme qui est optimisée pour l'usage visé, à savoir le gaming. Maintenant on a quand même un gros défaut, et ce gros défaut c'est bien évidemment le taux de rafraîchissement. Là on a une dalle 60 Hz, donc une dalle qui est à peu près équivalente à celle de la plupart des smartphones du marché, sauf qu'on est sur un appareil qui vise un usage gaming, et quand on voit ce que propose la concurrence avec des taux de rafraîchissement de 90 ou même de 120 Hz, on se dit que sur ce terrain-là, eh bien le Black Shark 2 Pro a un petit temps de retard et ça malheureusement c'est très regrettable. Surtout que derrière on a de plus en plus de constructeurs lambda, standards, qui proposent des taux de rafraîchissement revus à la hausse. On a OnePlus par exemple qui intègre désormais des écrans 90 Hz à tous ses téléphones. On en a un sur le OnePlus 7T, on en a un sur le OnePlus 7T Pro, et bien sûr, la prochaine génération jouera aussi cette carte. On a Samsung qui devrait, de son côté, intégrer ce type d'écran au Galaxy S11. Et là, pour le coup, eh bien, on comprend difficilement cet oubli de la part d'un constructeur qui vise pourtant un usage qui est quand même très connoté. Alors dans cette vidéo, je n'ai pas du tout évoqué la partie photo-vidéo parce qu'au final, ce n'est pas vraiment ce qu'on va rechercher sur le Black Shark 2. Mais ce que je peux quand même vous dire, c'est que cette dimension m'a aussi assez laissé sur ma faim. Voilà, on a un capteur de 48 millions de pixels avec une optique qui ouvre à 1.7. On a un second capteur de 12 millions de pixels avec un téléobjectif qui offre un zoom optique 2x et une ouverture à 2.2. Donc la configuration est plutôt correcte, sauf que derrière, ça manque de dynamique, la colorimétrie est pas terrible, et puis surtout les performances du module s'écroulent dès qu'on est en intérieur ou dès qu'on se trouve en pleine nuit ou dans des conditions lumineuses difficiles. Donc là encore, voilà, si vous avez un usage de type photo, le Black Shark 2 Pro n'est pas recommandé. Il vaudra mieux vous orienter vers d'autres appareils, des appareils peut-être un peu plus élaborés, un peu plus flexibles. Je pense notamment au Mi Note 10 parce que je l'ai testé dernièrement. Mais voilà, on a quand même beaucoup d'appareils, beaucoup de téléphones aujourd'hui qui offrent un très bon rendu photographique et en tout cas un rendu photographique bien meilleur que celui du Black Shark 2 Pro. Maintenant, cette limitation, elle n'est pas vraiment grave.
Le Blackshark 2 Pro ne se destine pas aux photographes, ça c'est une évidence, ce n'est pas l'usage visé, du coup on peut lui pardonner cet oubli. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère vraiment que ce format vous a plu. Voilà, je sais que c'est beaucoup plus court qu'à l'accoutumée, je sais que c'est moins argumenté, mais voilà, je tiens vraiment à insister sur le fait que derrière cette vidéo, le processus qui la précède, le processus qui est à l'origine de ce test n'a pas changé. J'ai testé le Blackshark 2 Pro comme je teste tous les téléphones qui me passent entre les mains. Et la seule différence, finalement, c'est ce que vous voyez, c'est le résultat. J'ai voulu faire une vidéo plus courte, plus digeste, que vous pourrez regarder par exemple entre deux rendez-vous ou le soir avant de mater votre série. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez de ce format, dites-moi s'il vous plaît, s'il vous convient. Et comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Et si vous aimez mon travail, surtout pensez à vous abonner à la chaîne. Plus on sera nombreux et plus je pourrai produire de contenu. Ça fonctionne comme ça. Quant à moi, je vous souhaite de passer une bonne semaine ou un bon week-end. Et on se retrouve très vite avec d'autres vidéos. Salut !